C'est le moment de la période des questions. La parole à la leader de l'opposition officielle, à la chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président. Il n'y a aucun lieu meilleur que l'Ontario pour vivre. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé ici, de Newfoundland, et élevé ma famille ici. L'Ontario était toujours la terre de l'opportunité. Mais, Monsieur le Président, il y a par contre un sentiment de que quelque chose ne marche pas. Le prix de loyer augmente, le prix des aliments augmente. Il y a des personnes qui se voient forcées à quitter la province. Donc, ma question pour le Premier ministre, pourquoi que son budget ne contient presque aucune mesure pour rendre la vie plus abordable dans cette province? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'écouter que la chef de l'opposition officielle soit si optimiste que nous par rapport à la province. La province, voyons ce que nous avons fait quand l'opposition continue à quitter le mérite de ce que nous avons fait. Dès l'année 2018, quand nous avons arrivé au pouvoir, nous avions hérité un désastre. Les libéraux avaient laissé un désastre. Dans l'année 2018, nous avons commencé à réduire les impôts. Et les néo-démocrates ont continué à voter contre ces mesures. Nous avons continué avec la réduction des impôts. Nous avons réduit les coûts pour la création dans un montant de 8 milliards de dollars pour la création de nouveaux emplois. Et nous avons fait le travail que les néo-démocrates n'ont pas fait quand ils ont partagé le pouvoir avec les libéraux. Donc ce sont des bonnes nouvelles, Monsieur le Président. Question complémentaire. Si vous êtes des amis du Premier ministre ou si vous faites partie du Parti conservateur, vous pouvez faire confiance à ce gouvernement. Mais comme un Ontarien tout simple, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Dans quelques jours, on va devoir payer le loyer encore une fois. Et grâce au manque de surveillance dans l'augmentation des loyers, les personnes vont voir une augmentation dans ce prix. Encore une fois, au Premier ministre, avec les personnes qui se sentent si épuisées par l'augmentation des coûts, pourquoi ne pas se servir du dépôt du budget pour mettre en place des mesures de soulagement pour les Ontariens? Réponse. Je me demande comment est-ce que la chef de l'opposition peut-elle parler de la crise des Ontariens quand nous sommes un parti, quand eux, par contre, plutôt sont un parti qui vote année après année contre les mesures de soulagement financier. Pour conduire au travail, c'est plus cher. L'épicerie, c'est plus cher à cause de l'impôt au carburant. Les néo-démocrates ont voté pour une augmentation des impôts de l'essence. Donc, je demande à la députée d'en face s'ils vont se joindre à nous et au moins mettre une pause sur l'augmentation des prix pour bénéficier les Ontariens. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Intervention du président. Les députés, veuillez-vous bien vous asseoir. Ordre. Redémarrez la pendule. Complémentaire final. C'est le moment de que ce gouvernement commence à prendre la responsabilité. C'est leur responsabilité de que la vie soit plus difficile pour beaucoup de personnes dans cette province. 5 ans après de qu'ils soient arrivés au pouvoir, je demande au gouvernement de quitter leur bureau et de vraiment commencer à écouter les commettants. Partout où je vais, les commettants sont préoccupés par rapport à l'augmentation du loyer. Le loyer est impossible et c'est plus cher que jamais avant acheter une maison. Les plans de construire du logement dans des terres protégées ne vont pas résoudre ce problème. Je me demande, est-ce que le gouvernement va prendre des mesures pour que le rêve d'avoir la maison propre ne soit pas plus impossible? Réponse. Dans notre premier mandat, nous avons bâti plus de logements dans des zones près du transit, du transport.
partout où il y a des trains GO. Mais la chef de l'opposition officielle a voté contre cette mesure. On parle des milliers de maisons abordables pour les Ontariens. Donc, les ministres des Affaires municipaux et du logement a présenté des plans pour bâtir plus de logements, mais la chef de l'opposition officielle elle a voté contre toutes et chacune des mesures. Nous sommes en train de mettre un plan en place pour que tout le monde puisse être propriétaire de leur maison, qu'il puisse louer une maison. Est-ce que je me demande s'ils vont vraiment se joindre à nous ou s'ils vont nous laisser faire. Ordre. Suivante question. La parole à la chef de l'opposition officielle. Encore une fois, Monsieur le Président, déconnexion pure. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je vais demander à la, chef de l'opposition officielle de s'asseoir. Arrêtez la pendule. Le côté du gouvernement se mettra à l'ordre pour que je puisse entendre la députée qui pose sa question. Redémarrez la pendule. La chef de l'opposition officielle. Parlant des personnes réelles, Monsieur le Président, cette semaine, CBC News a partagé l'histoire d'une Ontarienne de 90 ans qui a dû payer des coûts exorbitants additionnels pour une chirurgie oculaire. Quand elle s'est plainte, on l'a mise à la porte de l'hôpital. Le Premier ministre et la ministre de la Santé répètent que les Ontariens, les patients, ne vont pas devoir payer des coûts additionnels. Mais voici ce qui arrive. Et vraiment dire « simplement faites-nous confiance » ne va pas régler le problème. Est-ce que ce gouvernement va-t-il arrêter les mécanismes prédatoires qui arrivent dans cette province? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. Ce gouvernement fait des changements parmi le projet de loi 60 qui, si adopté, va élargir les mesures de protection en ce qui concerne la santé des commettants. La députée d'en face, pour une certaine raison, semblerait ne pas vouloir appuyer le projet de loi 60. J'espère vraiment que les députés d'en face l'appuient. Il y a toute une série de mesures de protection. Par exemple, les centres de santé communautaire vont devoir publier les factures additionnelles pour que les personnes, les coûts additionnels pour que les patients les connaissent par l'avance. Les patients ne peuvent pas être niés leur traitement s'ils n'ont pas d'assurance. Aussi, nous sommes en train d'élargir la surveillance sur ces nouveaux centres de santé communautaire. Toutes ces mesures seront en place pour protéger les patients. Je me demande si les députés d'en face vont appuyer cette mesure complémentaire. Quelle surveillance? Quelle protection? Il n'y a rien là. Ce n'est pas correct. Nous avons énormément d'évidence qui démontre que les patients ont été engagnés par les cliniques à but lucratif. C'est la façon dans laquelle ils reçoivent leurs revenus. Ce gouvernement ne va rien faire pour arrêter cela. Donc, nous avons proposé des amendements pour rendre illégal les coûts additionnels à la ministre de la Santé. Est-ce que le gouvernement va régler ce problème? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face. L'objectif, c'est de changer le modèle. Changer des institutions indépendantes vers un modèle d'intégration. Sous toute forme de gouvernement précédente, on a eu des opérations que maintenant nous allons faire de façon intégrée avec la direction contrôlée de façon centrale, de même que la liste d'attente. Ça va être une amélioration significative qui va améliorer les soins fournis pour les patients et ce gouvernement se concentre sur faire cela pour assurer que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin et qu'ils puissent recommencer leur vie le plus vite que possible. Complémentaire final.
Monsieur le Président, le projet de loi 60 va rendre légal de facturer les patients pour les soins de santé dans cette province. C'est ça ce que je veux accomplir. Le gouvernement dit qu'il agit pour protéger l'intérêt des patients. Mais les patients continuent à souffrir. De cette façon, les cliniques à but lucratif vont avoir la chance de choisir les patients, des patients qui peuvent payer. À la ministre de la Santé, qui décide les politiques de santé? Les personnes qui font des dons à votre parti, quand est-ce qu'on va rendre les patients prioritaires? Réponse, merci. Ce que nous faisons, c'est de mettre en priorité les personnes qui reçoivent les revenus les plus faibles. Nous savons que le statu quo ne fonctionne pas et c'est pour cela que nous faisons des innovations. Il n'y a rien dans le projet de loi 60 qui parle d'un modèle de santé particulier. Par exemple, nous avons l'institution ophtalmologique de Kensington qui s'en vient. C'est un modèle qui pourrait fonctionner sous le cadre du projet de loi 60. C'est une institution qui a fourni des soins oculaires pendant des années et on va continuer à le faire. Nous allons continuer à mettre en place des modèles pour le service des patients, pour que les patients reçoivent les besoins dont ils ont besoin de la façon adéquate, par les meilleurs experts possibles. Et c'est ça l'enjeu du projet de loi numéro 60, l'accès aux soins de santé aussi vite que possible. La parole est à la députée de Ottawa-Wes-Nepean. Merci, Monsieur le Président. Une organisation de ma circonscription fournit des soins additionnels pour les aînés et les personnes handicapées. Ils ont essayé de survivre avec le financement qu'ils reçoivent quand les coûts continuent à augmenter. Ils ont imploré le gouvernement d'augmenter leurs fonds. Lundi, il va voir 95 aînés et personnes handicapées qui vont arrêter de recevoir ces services. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet que ces personnes si importantes perdent ces services si importants, si essentiels? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons relancé nos renforcé les services qui sont fournis pour les aînés et les personnes qui reçoivent les revenus les plus faibles. Si on passe en revue les améliorations du ministère des aînés, nous avons augmenté l'accès. À des différentes aides. Nous avons fait des différents investissements dans le système de foyers de soins de longue durée et nous écoutons aussi de la part de nos aînés qu'ils veulent participer de l'économie, d'une économie croissante. Le ministre du Travail fait en sorte que cette possibilité leur soit donnée aussi. Pour les enseignants qui ont déjà pris leur retraite, pour qu'ils puissent revenir à la force de travail. Donc, nous voyons les aînés autant que des personnes qui ne sont pas seulement en train de quitter la force de travail, mais plutôt comme des personnes qui veulent se rejoindre à la force de travail. C'est de cette façon que nous allons continuer à bâtir une province que les néo-démocrates ont presque détruite. Question complémentaire. Je pense que les aînés qui se trouvent dans le programme pour la démence qui va être coupé vont être heureux d'écouter ça du côté du gouvernement. Les organisations à l'est de l'Ontario se trouvent toutes dans la même situation. Les présidents des hôpitaux ont demandé au premier ministre d'aider ces organisations. Ces organisations savent qu'elles sont capables de tenir des patients hors des hôpitaux et leur permettre de rentrer chez soi plus vite. 7 millions de dollars seulement permettraient que ces organisations gardent leurs portes ouvertes. Est-ce que le Premier ministre va écouter les présidents de ces organisations et fournir le financement adéquat pour ces organisations? Réponse. C'est intéressant d'entendre l'opposition parler de l'appui pour les présidents des hôpitaux. Ce n'est qu'un autre exemple de dire ce dont on a besoin. Et après, faire une autre chose. En septembre, on nous a demandé de plus faire pour aider les aînés qui étaient dans les hôpitaux et qui seraient mieux, qui recevraient
des meilleurs soins dans des foyers de soins de longue durée. On a présenté un projet de loi pour cela et ils ont voté contre. Quand j'ai visité les foyers de soins de longue durée, les patients nous ont dit « vraiment, c'est la meilleure chose qui aurait pu être faite ». Quand les présidents des hôpitaux nous disent qu'on doit mieux faire dans les hôpitaux de petite et moyenne taille, nous le faisons. Quand les présidents des hôpitaux à l'Ontario nous disent qu'on a besoin des nouveaux hôpitaux, nous le faisons. Quand ils nous disent qu'ils ont besoin de plus d'employés, nous le faisons. On a ajouté des milliers d'infirmières. Inaudible intervention du président. Question. La parole est à la députée de Barrie Innisfield. Merci, Monsieur le Président. Pour le ministre de l'Éducation, l'inflation continue à affecter les familles et les entreprises dans la province, surtout dans la circonscription de Barrie Innisfield. Une augmentation qui s'en vient d'un taux de 14 % dans l'impôt sur les carburants va continuer à affecter les familles. L'inflation, l'augmentation de l'impôt sur l'essence le 1er avril. J'écoute ça, mais aussi j'écoute les parents qui se sentent appuyés par ce gouvernement. Je parlais avec Melissa, la mère de 3 enfants. Donc, je me demande qu'est-ce que le ministre de l'Éducation écoute des commettants. Merci. Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président, et à la députée de Barrie Innisfield pour sa défense des ses commettants. L'impôt des carburants augmente le coût de la vie pour toutes les familles et toutes les entreprises de cette province. Nous, additionnellement à établir des conversations avec le gouvernement fédéral. Nous avons fait des investissements de 1,9 milliard de dollars pendant les dernières années pour appuyer les parents pour la remise dans la bonne voie de ces enfants. 80 % des parents ont signé une entente. Il y a par contre, 20 % des parents qui n'ont encore pas signé. Donc, je demande aux députés de transmettre qu'ils visitent leur site web pour qu'ils comprennent ce que nous proposons. Question complémentaire. Nous savons que après plusieurs années d'interruption, nous avons besoin de que nos élèves rentrent à l'école pour la reprise de leur éducation, de la santé aussi. Aussi, ils doivent être en classe pour bien se préparer pour avoir du succès. Quand ils rentreront dans la force de travail, ils doivent se rattraper dans les domaines de la langue, des maths, entre autres. C'est ce que les parents nous disent. Donc, pour le ministre, quels sont les investissements qui sont faits pour le succès dans les écoles et après qu'ils reçoivent leur diplôme? Réponse le ministre de l'Éducation. Dans le budget 2023, nous avons augmenté les investissements dans un taux de 2,3 milliards de dollars, 1,3 millions de milliards de dollars pour les évaluations, 175 millions de dollars concentré sur la lecture, la compréhension et les maths, le développement des aptitudes, la codification, entre autres domaines que nous savons qui sont essentiels pour que les élèves aient du succès. Nous savons, Monsieur le Président, que pour profiter des opportunités de l'avenir, les élèves doivent avoir de la formation en technologie et commençant en septembre, nous allons commencer à le fournir. Question. La parole à la députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président, pour le Premier ministre. Il y a plus de 89 000 personnes qui ont signé des pétitions pour l'augmentation des fonds pour les personnes qui vivent avec de l'autisme. Aujourd'hui, on va débattre le projet de loi numéro 74. Si adopté, cela va permettre d'arriver à cet objectif.
C'est essentiel de fournir une solution pour protéger les personnes. Le projet de loi numéro 74 a été envoyé au comité de la justice. Est-ce qu'on peut avoir une date de quand est-ce que cela va être débattu? Réponse. Tel que dit ce matin pendant son point de presse, si on aurait fait de la deuxième lecture du projet de loi 74 aujourd'hui, ça aurait été quelque chose de très malheureux. Donc, c'est pour cela qu'on a pris une mesure si cabale que renvoyer le projet de loi directement en comité pour que la députée puisse faire les changements nécessaires et qu'on puisse tous appuyer ce projet de loi. J'ai déjà expliqué cela à la députée et à la chef de l'opposition officielle le jour que nous avons pris cette mesure. Encore une fois, Monsieur le Président, c'est notre intention de faire tout ce qui est possible pour l'appuyer. Je pense que c'est un projet de loi qui a été présenté en pleine bonne volonté. Donc, je veux dire à tous les parents des enfants avec de l'autisme qui sont aujourd'hui avec nous et tous ceux qui nous regardent que nous allons travailler ensemble pour cela. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci aux leaders parlementaires de gouvernement pour ces réponses. Le projet de loi 74 a pour objectif d'adresser l'urgence de notre système de santé. L'alerte pour des personnes vulnérables, s'il y a quelqu'un avec de la démence ou conditions similaires qui se perdent, que cette personne puisse être ramenée chez eux et de cette façon sauver leur vie. Est-ce que le gouvernement s'engage-t-il à ramener le projet de loi en chambre après son débat en comité pour pouvoir continuer à le débattre? Réponse. Je pense que la députée sait bien qu'en ce qui concerne les projets de loi émanant des députés, notre gouvernement s'est assuré que si fait de la façon adéquate et que si les projets de loi ont l'appui dans tous les côtés de la Chambre, malgré les plaintes du côté des libéraux, notre gouvernement va s'assurer qu'une fois que amendé en comité, le projet de loi 74 soit débattu pour être adopté. Je pense que le député de Sarnia-Lambton aussi a des choses à ajouter par rapport à ça. Donc, c'est notre intention de faire exactement cela. Question. La parole au député de Markham Unionville. Merci, Monsieur le Président. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. La députée de Beaches-East York à l'ordre. Le leader parlementaire du gouvernement à l'ordre. Le ministre du Travail se mettra à l'ordre. La députée de Kitchener-Conestoga à l'ordre. Redémarrer la pendule. La parole au député de Union Markham Unionville. Merci, Monsieur le Président. En Ontario, nous avons tous les jours des postes vacants à cause du manque de travailleurs de métiers spécialisés. Il y a des employeurs qui veulent embaucher des employés, même si on a un nombre sans précédent de postes vacants. Nous devons toujours combler ces postes et recevoir plus de travailleurs de métiers spécialisés. Donc, le ministre peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement adresse le manque de travailleurs spécialisés? La réponse, le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Et au député de Markham Unionville pour sa question si importante. Notre gouvernement comprend que
recevoir des travailleurs de métiers spécialisés est essentiel pour bâtir un Ontario plus fort. Dans l'année 2021, nous avons demandé, moi et le Premier ministre, au gouvernement fédéral d'augmenter le nombre d'immigrants qu'on pourrait recevoir. Notre programme va doubler le nombre d'immigrants que nous allons recevoir pour arriver à un chiffre final de 80 000 nouveaux travailleurs spécialisés dans l'année 2025 dans les domaines de la technologie, des conducteurs, des infirmières, de PES, des PSP, entre autres. Cela va nous permettre d'embaucher plus de travailleurs avec ces aptitudes pour combler les postes de travail plus nécessaires. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est une bonne nouvelle que l'Ontario pourra avoir son mot à dire pour régler les problèmes de main-d'œuvre dans la province. Afin d'appuyer la croissance économique de la province et pour rétablir les bases pour la prochaine génération, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'obtenir les travailleurs dont la province a besoin. Il est aussi nécessaire de souligner que tous les paliers de gouvernement doivent faire leur possible afin que ces immigrants viennent s'installer chez nous et puissent bâtir une vie. Il faut aussi que les immigrants veuillent s'installer ailleurs que dans les grandes villes. Comment est-ce que notre gouvernement s'assure que nos collectivités aient la possibilité d'accueillir ces personnes qui nous aideront à vaincre le manque de main-d'œuvre? Le ministre, je remercie le député de sa question. Monsieur le Président, nous savons que chaque région de l'Ontario profitera de la valeur économique des immigrants. C'est la raison pour laquelle notre programme de nomination priorise ceux qui veulent s'établir ailleurs que dans la région du Grand Toronto afin de s'assurer que ces professionnels puissent commencer à travailler le plus rapidement possible. Le budget 2023 investit 25 millions de dollars sur 3 ans pour la sécurité et la mise à jour du système informatique. Nous avons aussi retiré les obstacles discriminatoires qui affectent les travailleurs formés à l'étranger en reconnaissant leurs compétences. C'est essentiel de le faire pour bâtir un Ontario plus fort pour les générations à venir. Député d'Hamilton Centre, prochaine question. Merci au Premier ministre. Monsieur le Président, nous savons depuis des années que les gens qui n'ont pas de logement font face à plus de discrimination. Cette semaine, nous avons appris que 22 personnes sont décédées en raison de leur itinérance. Il y a un manque de soutien en santé mentale, un manque d'aide à la toxicomanie. Lorsque les gens vivent dans la rue, on ne peut pas criminaliser l'itinérance. Monsieur le Président, le budget du Premier ministre montre qu'on ne comprend pas cette question du côté du gouvernement et nous aimerions savoir quand le gouvernement agira pour mettre en place de vraies mesures contre l'itinérance en Ontario. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Réponse, le ministre des Affaires municipales et du Logement. J'aimerais remercier la députée d'Hamilton Centre pour sa première question en Chambre. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par la députée de l'autre côté avec lesquelles je suis fondamentalement en désaccord. Mais un élément sur lequel elle sera d'accord avec nous, c'est qu'on a une excellente mairesse à Hamilton qui a appuyé notre plan de bâtir 47 000 domiciles dans sa région. Je suis fondamentalement en désaccord avec la façon dont elle établit, caractérise notre budget, parce que nous allons mettre en place des services complets, ces services qui ont entre autres été demandés par la mairesse d'Hamilton. Nous allons continuer de travailler avec les maires et les mairesses telles qu'Andrea Horvat afin d'atteindre nos cibles en matière de logement. Complémentaire, député d'Hamilton Centre. Nous recevons des rapports continus à Hamilton que ceux qui sont décédés ont eu contact avec le système. Par exemple, des gens qui ont reçu leur congé de l'hôpital trop tôt et se sont retrouvés dans la rue alors que les refuges étaient trop pleins. Le système ne fonctionne pas et les gens doivent avoir accès à un domicile fixe.
un logement abordable ainsi que des dispositions pour contrôler les loyers sont nécessaires. Quand est-ce que le gouvernement prendra au sérieux la crise et agira? La ministre associée des logements. Merci. C'est un honneur de prendre la parole pour la première fois en tant que ministre associée du logement. J'aimerais aussi féliciter la députée pour son élection. Tous les députés de cette Chambre veulent prévenir l'itinérance dans la province, mais ce gouvernement a agi de façon réelle. Les 222 millions de dollars annoncés dans le budget ont été très bien reçus par les organismes qui luttent contre les situations d'itinérance dans la province. Et je cite, « Le logement est un droit de la personne. Tout le monde a droit à un logement sécuritaire où s'établir. » C'est l'Alliance contre l'itinérance qui a dit ça, une association qui était très heureuse de voir les mesures qui seront mises en place par le gouvernement de l'Ontario. J'espère que l'opposition se joindra à nous dans ces investissements. Mais, Monsieur le Président, vous savez, il y a déjà des projets qui ont été lancés dans la province pour un logement abordable grâce aux changements que nous avons apportés dans nos différents projets de loi sur le logement. Malheureusement, l'opposition n'a pas appuyé ces projets de loi. Intervention du président, merci. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud, merci. Question au premier ministre. La crise d'abordabilité frappe les familles de l'Ontario durement. Le prix de l'épicerie a augmenté, du loyer, les taux d'intérêt ont augmenté. L'inflation est à un niveau plus élevé que jamais et les familles travaillent de façon acharnée à chaque jour. Et pourtant, les familles ont l'impression de traîner de la patte constamment. On veut simplement leur faciliter un petit peu la vie. Mais dans le budget, la population ne trouve rien pour améliorer leur vie même d'une toute petite dose. Et en fait, les changements à l'éducation et en santé empirera la vie de la population. Le gouvernement empire la vie des gens. Au premier ministre, on demande simplement pourquoi. L'adjoint parlementaire au ministre des Finances, le député de Bruce Gray, Owen Sound. Monsieur le Président, la population de l'Ontario travaille très fort et on sait qu'elle fait face à des pressions. C'est la raison pour laquelle nous avons agi l'an dernier et même cette année pour diminuer les coûts aux familles avec un retrait de la taxe sur l'essence temporaire que nous avons confirmé au cours de l'énoncé économique d'automne. Et pourtant, l'opposition a voté contre cette mesure deux fois. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement mène une approche ciblée pour appuyer les gens et bâtir un Ontario fort pour l'avenir. Nous investissons dans les travailleurs avec 224 millions de dollars dans le Fonds de développement des compétences pour aider la population à se trouver de bons emplois rémunérés. Nous augmentons le financement de 15 millions de dollars sur 3 ans et nous bâtissons de 15 milliards de dollars en santé, pardon, pour 3 ans en bâtissant de nouveaux hôpitaux. Nous le faisons maintenant. Nous avons le bon plan. Nous avons une approche responsable pour s'attaquer aux défis économiques et appuyer la population de l'Ontario. Merci, complémentaire. Le message aux familles, c'est vous êtes seul. C'est ce que dit le premier ministre. Si les besoins de votre enfant ne sont pas respectés à l'école, vous êtes seul. Si votre enfant a des troubles de santé mentale et prend un retard dans son apprentissage, vous êtes laissé à vous-même. Si votre enfant est atteint d'autisme, devinez quoi? Vous êtes laissé à vous-même. Si vous êtes trop malade pour aller au travail, devinez quoi? Eh bien, vous êtes laissé à vous-même. Et si vous faites partie des 2 millions de personnes en Ontario qui n'avez pas de médecin de famille ou une infirmière praticienne, devinez quoi? Eh bien, on vous laisse à vous-même. Mais si vous voulez beaucoup de terrain dans la ceinture de verdure, eh bien, devinez quoi? Le premier ministre est là pour vous. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement abandonne les familles de l'Ontario alors qu'on fait face à une crise de l'abordabilité? Le leader parlementaire du gouvernement pour sa réponse.
Est-ce que le chef des libéraux est en train de se moquer de moi? Laissez-moi vous dire, sous les libéraux, nous avons perdu 300 000 emplois parce qu'on voulait passer à une économie des fonctionnaires. En fait, on a dit que c'était le pire territoire de compétences où ouvrir une entreprise sous les libéraux. Il y avait trop de fardeaux administratifs sous les libéraux. Nos hôpitaux tombaient en ruine sous les libéraux, Monsieur le Président. Les prix de l'énergie! Parlons des prix de l'énergie. Sous les libéraux, les gens n'étaient pas en mesure de payer leur facture d'électricité. Ils devaient choisir entre se chauffer et manger. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Il semble assez étrange que je ne puisse entendre le leader parlementaire du gouvernement parce que le gouvernement s'est député chahute trop. Est-ce qu'il a encore du temps, oui? À l'ordre? À l'ordre. Redémarrer la pendule. Le leader parementaire du gouvernement, quelques secondes pour terminer. Si le député veut vraiment agir sur l'abordabilité, eh bien, il peut se joindre à nous et demander au gouvernement fédéral, appuyé par les néo-démocrates, pour au moins mettre sur la glace l'augmentation de 14 % sur la taxe sur le carbone. Que la Chambre vienne à l'ordre et que les députés se rassoient. J'aimerais que la Chambre vienne à l'ordre. On redémarre la pendule. Prochaine question, député d'Haliburton, Port Alex-Brock. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Alors que c'est une bonne nouvelle que nous doublions la taille de notre programme de nomination des immigrants, nous devons reconnaître que les nouveaux arrivants peuvent être exposés à l'exploitation au milieu de travail. La traite de personnes et l'exploitation sont des crimes horribles qui souvent ne sont pas rapportés. Malheureusement, ces crimes se produisent toujours au Canada et ici en Ontario. La traite et l'exploitation existent sous différentes formes et profitent de problèmes systémiques tels que la discrimination, de mauvaises conditions de travail, des écarts dans les politiques de travail. Et peu importe les résultats, ils sont toujours dévastateurs et affectent la santé physique et mentale de ceux qui en souffrent. Comment est-ce que notre gouvernement protège ses employés de l'exploitation des employeurs? Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Je remercie la députée de sa question et tout particulièrement de son militantisme sur ce dossier dans la province. Vous avez fait beaucoup de travail. Félicitations. Notre gouvernement appuie les travailleurs, qu'ils soient citoyens canadiens ou temporaires. Nous ne tolérons aucun geste posé par les employeurs qui veulent abuser de ces travailleurs. C'est la raison pour laquelle, dans notre projet de loi pour œuvrer pour les travailleurs, nous continuerons à mener la charge et offrir des protections sans pareil pour les travailleurs. Nous identifions certains changements nécessaires afin de renforcer les protections des travailleurs vulnérables en établissant des amendes maximales les plus élevées au Canada. Notre message aux employeurs qui manquent d'éthique, c'est que si vous ne respectez pas les droits de la personne de vos travailleurs, par exemple en retenant leur passeport ou permis de travail, vous ferez face à des conséquences très graves. Complémentaire. Merci, je remercie le ministre de son dévouement et de son excellent travail sur ce dossier. Le projet de loi pour œuvrer pour les travailleurs est essentiel pour lutter contre l'exploitation et s'assurer que les droits de tous qui travaillent ici en Ontario soient protégés.
Malheureusement, certains rapports de la police sur les abus faits aux travailleurs étrangers sont beaucoup trop nombreux. Plusieurs de ces travailleurs se retrouvent dans des situations précaires et ont peur de faire rapport à la police. Sous ce gouvernement, nous nous sommes engagés envers la santé et le bien-être des travailleurs. Alors que l'Ontario a besoin de travailleurs pour renforcer et bâtir la province, les travailleurs, eux, ont besoin du gouvernement pour s'assurer qu'ils soient protégés. Est-ce que le ministre peut élaborer sur la façon dont ce projet de loi, s'il est adopté, mettre en place des mesures pour protéger les travailleurs vulnérables? Le ministre du Travail. Encore une fois, je remercie la députée de sa question. Pour les employeurs qui abusent des travailleurs, notre gouvernement les tiendra responsables de leurs gestes. Les conséquences seront rapides et sévères. Actuellement, des inspecteurs peuvent donner des amendes de 250 $ pour chaque passeport ou permis de travail qui est retenu par l'employeur. Mais avec les changements, on augmentera l'amende à 2 000 $ par passeport ou permis de travail. Si un employeur est reconnu coupable d'une telle infraction, il pourra aussi faire face à une amende de 500 000 $ ou 12 mois en prison, ou les deux. Monsieur le Président, par ces mesures, tous les travailleurs de l'Ontario peuvent être rassurés que leur sécurité est notre priorité et que nous agissons. Député de London West, prochaine question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Barbara Savage a 84 ans et elle vit à London West. Elle a reçu récemment un diagnostic choquant de cancer du sein de quatrième étape. Elle a reçu son congé de l'hôpital malgré qu'elle avait de la douleur. Monsieur le Président, jour plus tard, une infirmière est enfin venue la voir à la maison. Alors que les tubes étaient pleins de sang, sa fille a dû rechercher sur Google la façon de vider ces tubes. Et donc, je me demande si le gouvernement croit que c'est une norme acceptable dans le domaine de la santé d'agir ainsi. Député d'Eglinton-Lawrence. Non, c'est une situation étonnable et je suis très désolée que cette personne ait dû attendre 11 jours pour recevoir des soins. Nous avons fait des investissements significatifs dans les soins à domicile. Ce secteur est essentiel dans notre plan pour bâtir un réseau qui soit axé sur le patient et mieux connecté. C'est la raison pour laquelle, cette année et l'an dernier, nous avons investi 1 milliard de plus pour améliorer la qualité des soins et s'assurer que la population puisse demeurer chez elle plus longtemps et recevoir les soins nécessaires. Nous avons travaillé avec le foyer Salt Lake, qui s'assure que les gens ne venaient pas être traités à l'hôpital, mais puissent être traités dans les foyers avec les bons soins prodigués par des médecins, des infirmières ou le professionnel nécessaire. Nous voulons nous assurer que les gens n'aient pas à se retrouver dans les hôpitaux tout en se remettant de leur maladie. Complémentaire. Barbara Savage n'a pas un cas unique. La porte tournante de personnel dans les foyers de soins de longue durée privés laisse des personnes telles que Barbara seules. Alors que Barbara et sa fille ont appelé les ambulanciers paramédicaux, on s'est fait dire qu'aucune infirmière n'était disponible. Et malheureusement, souvent, les patients doivent se retrouver de nouveau à l'hôpital. Est-ce que le gouvernement va admettre qu'il échoue auprès de la main-d'œuvre et que sa contestation du projet de loi 124 devant les tribunaux met en danger la santé de personnes telles que Barbara? La députée d'Eglinton-Lawrence, je remercie de nouveau la députée. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, la seule meilleure chose qui soit meilleure que des soins près de la maison, c'est des soins à la maison. Nous élargissons nos équipes santé Ontario pour avoir de meilleurs soins communautaires. Dans notre budget 2022, nous avons annoncé 1 milliard de $ sur 3 ans afin que plus de personnes soient connectées au réseau de la santé dans le confort de leur même foyer. Nous accélérons actuellement le financement pour que le financement
soit de 569 millions de dollars en 2023-2024 pour améliorer les contrats, stabiliser les foyers et améliorer la le niveau de main-d'œuvre. Ainsi, nous améliorerons la qualité des soins et il sera plus facile et plus rapide pour les gens d'avoir accès à des soins connectés. D'avoir de bons soins pour des gens comme Barbara, c'est essentiel dans notre plan afin d'avoir des soins commodes et bien connectés. Prochaine question. Député de Niagara-Ouest. Merci. Question au ministre associé. Délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Dans ma circonscription, on a vu les conséquences des difficultés qui peuvent découler de mauvais soins de santé mentale et si on n'a pas accès à des mesures pour lutter contre les dépendances. Notre gouvernement s'engage à sensibiliser la population et diminuer le stigma qui entoure les troubles de santé mentale et la dépendance. Malheureusement, on voit que ces conditions demeurent dans toutes les circonscriptions de la province, alors que notre gouvernement travaille pour que les gens obtiennent les soins dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Que fait notre gouvernement pour s'assurer que tout le monde qui a un trouble de santé mentale ou a besoin d'aide avec ses dépendances trouve cette aide et ses soins? Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Je remercie l'excellent député de Niagara-Ouest. Nous avons ici la possibilité de parler d'investissements qui ont été faits dans notre nouveau budget et de parler de la façon dont nous aiderons ceux qui font vraiment le travail lourd dans la province pour lutter contre les dépendances et les surdoses. Nous avons promis 425 millions de dollars sur 3 ans pour créer des centres de lutte contre les dépendances et pour aider avec la santé mentale. C'est la première augmentation de financement en 10 ans dans ce secteur. Nous travaillons avec différents organismes, nous stabilisons le secteur, nous assurons que le personnel soit maintenu en place et nous voulons être clairs auprès de la population que nous traitons ces enjeux avec le sérieux qu'elles méritent. J'aimerais citer le PDG de la Société canadienne de santé mentale. Il dit « Le gouvernement comprend les difficultés auxquelles nous faisons face. » Intervention du président. Merci. Complémentaire. Je remercie le ministre associé pour sa réponse et je suis heureux d'entendre parler des investissements significatifs que nous faisons dans ce secteur afin de s'assurer que l'on puisse embaucher plus de personnel et assurer que les gens de ma collectivité puissent obtenir les soins dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Je remercie tous ceux qui ont montré un leadership dans ce budget pour financer ces enjeux. C'est important aussi de sensibiliser la population sur les besoins du logement abordable dans ce contexte. L'un des aspects les plus importants pour la santé, pour ceux qui se remettent, c'est de s'assurer d'avoir un bon logement. Je sais que le gouvernement prend très au sérieux ce besoin. Nous bâtissons plus de logements abordables dans la province, mais je me demande, est-ce que le ministre peut expliquer quels gestes sont posés par le gouvernement afin de s'attaquer aux situations d'itinérance et s'assurer d'empêcher les gens qui sont à risque de devenir itinérants de ne pas le devenir? Le ministre associé. Il est important d'avoir cette composante dans notre plan et c'est un des déterminants essentiels de la santé, c'est-à-dire le logement, et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a investi 200 millions de dollars dans le programme de prévention de l'itinérance pour bâtir des logements abordables dans la province. Monsieur le Président, nous faisons des investissements historiques significatifs pour élargir nos services à l'échelle de la province tout en démontrant notre engagement pour nous assurer que nous ayons des soutiens complets pour ceux qui ont besoin de traitement et d'aide dans leur remise. Nous voulons aider les gens qui souffrent de troubles de la santé mentale. Nous vous voyons et nous luttons pour vous. Nous allons créer un continuum des soins axé sur la remise, sur le rétablissement, et nous voulons nous assurer que ceux qui se remettent de leurs troubles demeurent en bonne santé. Député de Scarborough-Sud-Ouest, nouvelle question. Merci. Plus tôt cette semaine, un commettant m'a écrit. C'est un étudiant de l'université qui était en retard pour son examen. Bien qu'il était
tôt pour rattraper son autobus. Son autobus était en retard et il a raté son examen. Voilà le genre de situation qui se produit dans ma circonscription puisqu'il n'y a pas assez d'investissement. Avec la CTT, on verra plus de temps d'attente, plus de délais et plus d'encombrement d'usagers dans le réseau en raison des compressions au réseau d'autobus. Voilà le genre de problème que l'on voit sur le transport en commun. Et donc, ma question, c'est que dites-vous à Tonoy et les gens qui se sentent désavantagés sur le plan du transport en commun et le fait qu'on ne les aide pas à vraiment atteindre leur plein potentiel? La ministre des Transports, je remercie la députée de sa question. Ce que je dis aux gens de sa circonscription, c'est que les résidents de Scarborough méritent le même niveau de services de transport en commun que le reste de la ville de Toronto. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a déposé un plan pour avoir 3 arrêts de métro à Scarborough. Mais, Monsieur le Président, cette députée et son parti ont voté contre. Notre gouvernement a mis de l'avant des mesures après mesures pour appuyer l'élargissement du réseau de transport en commun, l'élaboration de transports dans la région du Grand Toronto. Mais encore et encore, Monsieur le Président, que ce soit avec le financement pour la reprise sécuritaire ou autre projet, les députés de l'opposition votent contre nos plans. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Monsieur le Président. Ils sont soit pour nos plans ou contre. Complémentaire. J'aimerais inviter la députée, la ministre, à venir à Scarborough et voir la région de laquelle je parle. On parle de 6 circonscriptions et 3 arrêts de métro ne seront pas assez. Du côté du gouvernement, il y a des députés qui sont à Scarborough qui pourraient mieux travailler pour leur commettant. Tonoy et les autres étudiants qui attendent pendant des heures pour pouvoir attraper leur autobus ou leur train, cette réponse n'est pas suffisante. Ma question, c'est que les experts, les militants en matière de transport en commun demandent une augmentation du budget d'exploitation pour le transport en commun. On voit une augmentation de la violence dans notre réseau de transport en commun qui est augmentée en raison des compressions qui sont faites. Il faut s'attaquer à la racine du problème. Est-ce que cette ministre et son gouvernement investiront dans les budgets qui ont l'objet de compression sous les libéraux et continuent de faire l'objet de compression sous ce gouvernement? La ministre, je suis très fière du bilan de notre gouvernement dans l'exploitation du transport en commun. Et en fait, je ne crois pas qu'il y ait un seul gouvernement dans l'histoire de l'Ontario qui a appuyé autant le transport en commun. Tout au long de la pandémie, sous le leadership de notre premier ministre, nous avons investi 2 milliards de dollars dans l'exploitation du système de transport en commun de la province. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un élément essentiel au cours de la pandémie. Le transport en commun était essentiel pour que nos travailleurs puissent aller et revenir du travail. Nous avons donc investi des milliards de dollars. Et c'est la TTC qui a profité de notre subvention le plus. Monsieur le Président, malheureusement pour les commettants de la députée, elle a voté contre ces plans. Nous continuons de bâtir le transport en commun dans la ville de Toronto, incluant Scarborough. Intervention du Président, merci. Prochaine question, député de Kitchener-Conestoga. Merci. Question au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Les travailleurs étrangers sont essentiels pour la stabilité de ce secteur, malheureusement. Plusieurs régions manquent de vétérinaires. Ce manque affecte le système agricole et, malheureusement, il y a des écarts de services entre les différentes régions qui crée un désavantage et fait en sorte que l'on met en danger la vie du bétail de ces agriculteurs ainsi que notre chaîne d'approvisionnement. Que fait-on pour appuyer les soins vétérinaires partout dans la province? La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je remercie le député de sa question. Il est important de reconnaître que notre gouvernement comprend que pour assurer une forte chaîne d'approvisionnement,
Les agriculteurs doivent avoir la confiance dans le fait qu'ils auront les services là où ils en ont besoin et lorsqu'ils en ont besoin. Et c'est la raison pour laquelle je perds ma voix, parce que je parle tellement de l'excellent partenariat que nous avons avec le ministère des Collèges et Universités ainsi que mon ministère, et que nous avons l'appui de nos collègues au Conseil des ministres pour mettre en place des programmes de collaboration où l'Université de Guelph et l'Université Lakehead mettent en place un programme de médecine vétérinaire, deux programmes où nous verrons 20 étudiants en médecine vétérinaire de plus. C'est 2 ans à Lakehead et 2 ans de suivi à Guelph. C'est une initiative qui démontre intervention du président. Merci. Prochaine question. Question supplémentaire. Merci. J'aimerais remercier la ministre, mais aussi remercier mon oncle qui est un vétérinaire ici en Ontario. Il était aussi en Alberta. Il a aussi travaillé plutôt au sein de l'Agence d'inspection alimentaire du Canada. C'est encourageant de voir l'engagement de notre gouvernement pour financer la médecine vétérinaire afin d'appuyer les producteurs de bétail. Le besoin de vétérinaires est essentiel dans plusieurs de nos collectivités. Il est donc essentiel que notre gouvernement agisse pour mettre en place des mesures afin de recruter et de maintenir les vétérinaires en Ontario. En tant que gouvernement, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour appuyer les agriculteurs. Est-ce que la ministre peut élaborer sur la façon dont ce programme incitatif aidera les communautés qui sont dans le nord, rurales et éloignées? La ministre, je veux partager le fait que j'apprécie tout le monde qui a travaillé sur ce dossier. Nous avons eu un sommet pour notre deuxième sommet annuel pour cultiver l'Ontario. Nous agissons et faisons encore plus. Nous avons notre partenariat avec l'Université Lakehead et l'Université de Guelph, mais au-delà, notre adjoint parlementaire, le député d'Elgin Middlesex London, examine la loi sur la médecine vétérinaire. Et au-delà des programmes qui ont été mis en place, nous nous assurons de créer des incitatifs. Nous avons donc investi 5 millions de dollars dans un programme qui récompensera et encouragera les gens à poursuivre une carrière dans la médecine vétérinaire pour gros animaux. Ça a été identifié comme une mesure essentielle. Nous agissons et ce programme incitatif tout particulier verra des étudiants en médecine vétérinaire pour les gros animaux recevoir 15 000 $ pour travailler dans l'Ontario rural. Député de Toronto, Danforth. Monsieur le Président, merci. Question pour le ministre des Transports. Dans la cour de l'une des écoles de ma circonscription va devenir un site de construction qui va continuer pendant 2 ans. Et donc, les enfants qui déjà ont perdu 2 ans d'école pendant la pandémie vont perdre encore pendant 2 ans un endroit où ils peuvent jouer, sauf s'il y a une protection adéquate pour faire en sorte que les enfants puissent rester dans les salles de classe avec un niveau de sécurité adéquat. Est-ce que le ministre va mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir appliquer toutes les mesures et faire en sorte que ces enfants puissent rester dans la salle de classe, la ministre? Je remercie le député d'en face pour sa question. Je suis d'accord sur le fait que nous devons faire en sorte que toutes les précautions soient prises pour pouvoir préserver la sécurité de cette cour d'école et faire en sorte, en fait, que les parents puissent véritablement ne pas être inquiets. Moi, je sais que dans ma circonscription, c'est pareil. Les parents sont souvent inquiets. Alors aujourd'hui, nous essayons de pouvoir garantir la sécurité et nous sommes confiants dans le fait que toutes les mesures de sécurité soient respectées. Metrolink travaille avec le directeur de l'école et avec le conseil scolaire pour créer en fait un plan de gestion sécuritaire de cette école et de sa cour. Monsieur le Président, nous avons un comité de liaison pour la construction, un CLC, qui se rencontrent pour pouvoir discuter les activités liées à la construction, la sécurité et toutes les préoccupations additionnelles que cette communauté pourrait avoir. Monsieur le Président, nous sommes en train de prendre ces préoccupations très au sérieux et nous voulons faire en sorte que l'école soit sûre et on travaille avec les leaders communautaires et les parents concernant ce problème. Question complémentaire.
Monsieur le Président, les parents appuient la construction de la ligne de l'Ontario. Ce sont les personnes qui sont bloquées dans les stations de métro et qui attendent les trains. Mais ils savent donc qu'on a besoin de trains. Mais actuellement, Metrolink ne s'est pas engagé de manière ferme à respecter les cibles qui doivent être respectées dans les salles de classe pour que les enfants n'aient pas à vivre encore 2 ans de problèmes. Alors, cette ministre doit dire à Metrolink de mettre en œuvre des normes qui vont les pousser à agir si la sécurité n'est pas respectée, parce que les enfants ont besoin d'avoir un retour à la normalité, ce qui peut être fait s'il y a les investissements nécessaires. Mais nous avons besoin de respecter les normes. Les normes de l'Organisation mondiale de la santé sont les bonnes normes à respecter, donc il faut le faire, la ministre, pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Je suis contente de dire aux parents que nous sommes en train de suivre les normes. Nous sommes en train de suivre les normes de l'Ontario. Monsieur le Président, nous avons préparé une ébauche de plan de sécurité qui va être distribuée au comité pour la sécurité et la construction et pour pouvoir le discuter avec le comité de liaison, mais pour pouvoir limiter également d'autres problèmes. Nous avons aussi mis en place une barrière de bruit pour éviter que le bruit puisse déranger trop. Monsieur le Président, j'aimerais garantir aux familles que Metrolink est engagé à garantir que les niveaux de sécurité les plus élevés sont maintenus à travers toute la construction. Parce que nous sommes d'accord, la ligne de l'Ontario doit être construite. Il va falloir cela va aider en fait à enlever au moins 20 000 ou plus voitures de la route chaque jour, et donc c'est utile. Nouvelle question. Député de Etobicoke Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre associé pour les opportunités sociales pour les femmes et les opportunités économiques. Pendant ces dernières années, les femmes ont vécu des difficultés et cela a résulté en beaucoup d'insécurité. C'est un grand point et pour les femmes et une augmentation des violences domestiques. Les barrières socio-économiques sont des défis très importants pour les femmes pour qu'elles puissent être émancipées économiquement. Nous devons en fait être en mesure de pouvoir permettre à ces femmes d'utiliser leurs connaissances et leur expérience pour pouvoir trouver un travail ou alors commencer une entreprise. C'est le moment de pouvoir répondre à ces besoins actuellement pour aider les femmes à entrer dans le marché du travail. Est-ce que le ministre associé peut expliquer à notre gouvernement comment notre gouvernement appuie les femmes pour pouvoir augmenter la sécurité financière des femmes? La ministre associée pour les opportunités sociales pour les femmes. Merci à la députée. Merci pour tout son travail pour maintenir l'Ontario en sécurité. Il a été un parcours difficile pour beaucoup de femmes depuis le début de la pandémie, mais nous voulons que toutes les femmes sachent que nous sommes de leur côté. Nous voulons les aider, nous travaillons pour les aider. C'est pourquoi cette semaine, j'ai annoncé avec le ministre du Travail et le député de Newmarket Aurora que notre gouvernement est en train d'élargir les investissements pour l'avenir des femmes. Et nous avons annoncé 10 nouveaux lieu en Ontario et je suis très contente de cela. Je suis contente de voir le progrès qui va dériver. Nous allons continuer d'aider les femmes qui rencontrent des barrières pour qu'elles puissent accéder à des services, développer des compétences, avoir plus de sécurité et vivre avec un sentiment de sécurité plus grand. Ce programme permet donc aux femmes de pouvoir accéder plus aux services, ce qui va les mettre en fait dans ce qui va les rendre de leur croissance. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre associée. Et je la remercie d'être venue souvent dans ma circonscription pour rencontrer les jeunes femmes et les femmes pour les encourager et leur dire que ce gouvernement est de leur côté. Nous les femmes ont besoin d'avoir accès aux services où qu'elles habitent, surtout dans les zones rurales et éloignées. Parfois, les femmes doivent
voyager pendant de longues distances. Il est essentiel qu'il y ait un accès aux services et un soutien pour les femmes qui se trouvent à faire face aux barrières économiques et sociales, y compris pour les femmes qui se trouvent face à la violence de genre et à l'isolement. Ce gouvernement doit investir pour aider les femmes à atteindre le potentiel qu'elles méritent et à avoir des emplois bien payés. Est-ce que la ministre associée peut élaborer sur comment ces programmes peuvent encourager le bien-être et la sécurité et l'indépendance économique pour les femmes? La ministre associée. Merci encore à la députée. Le mois dernier, quand j'ai fait le tour de l'Ontario du Nord, j'ai rencontré des femmes qui avaient des difficultés à pouvoir accéder à des services nécessaires à cause des voyages sur de longues distances. Et le problème, c'est que la position géographique d'une femme ne devrait pas limiter l'accès aux services. Il est important que nous nous concentrions sur le fait de pouvoir et fournir l'aide aux femmes là où elles en ont besoin. C'est pourquoi nous investissons dans des programmes pour l'avenir des femmes, ce qui est surtout important pour les femmes dans les zones rurales éloignées. Ce programme fournit beaucoup de services, ce qui inclut l'accès au transport, le développement des compétences financières et un soutien, comme par exemple des planifications sûres et pour la sécurité des femmes et d'autres types de programmes. Je suis très fière de ces programmes parce que je sais qu'ils vont aider les femmes en Ontario, y compris celles qui vivent dans les zones rurales éloignées, parce que je pense que quand les femmes réussissent, c'est l'Ontario qui réussit. Cela met fin à la période des questions pour ce matin.